Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Hollow Knight pour voir comment nager dans les lacs d'acide, notamment pour progresser dans le canyon des méduses, les brumes canyon. Et pour ça, vous devez progresser dans votre aventure jusqu'à débloquer la station du roi. C'est un lieu incontournable par lequel on doit passer pour aller absolument partout, à la frontière du royaume, au bassin ancestral, au nid profond, etc. C'est juste en dessous le repos des éternels, une fois que vous débloquez les aiguillons du rêve. Tant que vous n'avez pas ça, ça sert à rien de poursuivre l'aventure. Ok. Avant de partir à la station du roi, très très important, il nous faut aller à Dirtmouth. Parce qu'en fait, il faut aller auprès de Sly, le PNJ marchand de Dirtmouth, et il faut lui acheter une clé simple. Hop, on lui achète la clé simple. Ok. On y retourne et on va à la station du roi. Hop. J'aurais jamais cru dire ça de la station du roi. Mais ça va faire du bien d'aller dans une zone bas niveau. Oh, j'en peux plus des dernières zones du jeu là. Quel enfer, hein. Ok. On va tout en bas sans mourir comme je viens de faire. Ok. À gauche. On saute par-dessus. Et on doit avancer jusqu'à une fontaine. Oula, attendez. C'est pas par là. Hop, 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 hop. Là, je me dirige vers les abysses, il me semble. Je regarde ma carte. Non, c'est beaucoup plus loin. Gros dash. Ok. Du coup, en fait, on peut y aller au final depuis la cité des larmes, en fait. Bon. On fait examiner. On met la clé simple. De toute façon, c'est une zone de fin du jeu, hein. Donc, n'y allez pas dès le début après la cité des larmes, hein. Et là, on débloque voie d'eau royale. C'est dans cette zone qu'on trouve l'objet que vous cherchez. Je vous laisse explorer, hein. Hop, je vais pas ruiner votre aventure. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!